constipé Némésis. Il y avait comme ça. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et bonjour. Ça va comme ça. Voilà, ça va. J'ai baissé sur OBS mon niveau de micro, comme je l'enregistre en séparé, là, ma voix. Okay. Et je t'ai mis toi à fond. Enfin, tout le son qui vient de okay. Toi, c'est cool. Hey, j'avais déjà modifié pour donc couleurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maximo là et on se retrouve pour le let's play sur Resident Evil 3. C'est petite surprise, hein, je vous avais pas prévenu d'avance. Sauf que c'est pas moi qui vais jouer, ça va être Steve en exclusivité. Eh oui, ouais, avec les tenues classiques, j'ai fait exprès de le précommander pour les tenues classiques. Ouais. J'aurais voulu l'engager pour Resident Evil 2 Remake, ça m'aurait enlevé l'épine du pied aussi. Mais bon. Ah, ça. Je ne peux pas tout savoir. Donc je suis déjà au courant de certaines choses sur le 3 remake que Steve est pas, et donc je lui dévoilerai au moment où on les verra, on en discutera, on débattra. Et plus tard, Steve, il fera normalement l'original, et j'essaierai de vous filmer ça aussi, et comme ça on aura son avis à la fin, sur ce qu'il préfère. Moi je sais déjà. Ta photo de profil Discord me fait toujours rire. Ce sourire. Je suis un pépé qui veut violer des petites filles. Ouais, je le vois traîner, tu sais, devant les maternelles. Je sais chou. Enfin, même quand je vois Carlos, j'ai pas l'impression de le voir. C'est bon, hein, c'est fluide maintenant. C'est fluide, t'as le son avec. Ouais. Ok. Ah, il est moche Carlos, même en version comme ça. Remets Jill aussi, qu'on voit un peu maintenant que j'ai trouvé. Ouais, j'étais chargé Discord. Ok. Montre-moi tout. Tada. Oh, ça va encore ça. Oui, je dis pas ça va. Non, par rapport à Claire où il t'avait retiré des trucs, ça va. Ou Ada qui était pas respectée non plus. Putain, il y a la variante. Par contre, tu sais, déjà, je peux dire un truc sans spoiler, on va dire. Ouh, hein, les classes, on... ce qui m'a pas plu avec Resident Evil 3 aussi, remake, par rapport même aux deux remakes, puisque le 2 remake, Capcom n'a pas menti, on va dire, dans sa publicité. Je reconnais au moins ça. Ce qui est pas le cas du 3 remake, hein. Par exemple, je tiens à te dire que dans le 3 remake... Capcom, lors d'interview, les différents membres ont dit que, par exemple, ah oui, tel ennemi apparaîtra, oui, oui, il apparaîtra. Sauf qu'au final, il apparaît pas dans le jeu final. Tu vois, ça, il y avait pas dans le 2 remake, dans leur publicité. Et ça, j'ai pas aimé, tu sais, c'est un côté, Capcom se fout de notre gueule, un peu comme Bethesda, ou tu sais, comme d'autres. Hein. Et ça, j'aime pas, je sais pas toi. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, si t'as pas prévu de le mettre, va pas dire qu'il y sera. Surtout que, genre, ils l'ont dit un mois avant la sortie du jeu, quoi. C'est... Donc, ils savaient qu'il y serait pas. Ça fait plus de quoi. Ouais. Bon, ben je lance une nouvelle partie. Bon, je dis pas quel ennemi. Ça, tu t'en rendras sûrement peut-être compte, toi. T'as pas fait beaucoup le jeu original, mais je suis sûr que tu vas remarquer. Un ennemi en particulier, je pense que lui, tu remarqueras son absence. Bon, allez, je vais me péter. Pas facilement plus. T'as le fusil d'assaut comme dans l'autre original là, quand tu le fais en facile. Ouais. On a les rubans encore illimités, bonne vanne. Allez, c'est... Bon, on va mettre au normal. Pas des tapettes. Bon, moi je pense que j'y jouerai pas. Hein. Je sais même pas si je l'achèterai, on verra. What the fuck? This foundation will continue to build a brighter future for all.
c'est l'arme biologique qui valait 3 milliards. C'est ça. Bon, on a tous reconnu que c'était Nemesis, hein. Alors ça, j'étais au courant qu'ils avaient refait une intro en mode acteur réel, un peu comme l'original. Ça fait bien stylé d'ailleurs. Par contre, t'as l'impression qu'ils ont repris genre des images, genre. genre, oh là là. Enfin, comment dire ça? Ouais, Genre, oh là là, la révolution des gilets jaunes, un truc comme ça. t'as pas l'impression que c'est à Raccoon City en fait, trop, tu vois? Je trouve, tu vois pas les emblèmes, les trucs comme ça, tu sais. T'as l'impression que c'est des images repiochées juste pour utiliser. Au moins si je vais pouvoir voir Et tu sais, là, tu les vois parler espagnol dans la truc, tu sais, ça a aucun rapport. What the fuck? Tu vois un panneau Macron démission. Je suis pas censé avoir la tenue originale, déjà j'ai un jean. Alors s'ils sont pas full cul entre les cinématiques. Et quand ils jouent, ça va faire bizarre. Coup sur deux, va switch de tenue. Ah, je suis en première personne. Ah, super. Alors ça, j'étais au courant aussi. J'ai vu les livres qu'ils ont chargés. Le début est fait en première personne. Ok. C'est le truc. Hop, tac. Sa tenue a été ajoutée section. Ah, ok. Tu crois que Carlos est peut-être mieux avec sa coupe africaine? Oh, un peu de respect quand même. Ça, cette coupe, elle est nulle en plus, j'ai trouvé. Bon, j'avoue que ce soit classique ou la normale, je crois qu'il a chié dans tous les deux sens. Ouais, mais au moins il faisait latino, tu sais, un peu plus, tu vois, le truc, non, tu sais, dragueur, on va dire. Toi, je te reconnais. Toi, t'as une gueule que je te reconnais. Je sais plus t'es qui, mais je te reconnais. Est-ce que ce serait pas Alex Wesker? Mais bien sûr. Holt, il a pas aimé sa nouvelle gueule. Je mentionnerai souvent Holt, parce qu'il partage mon avis sur plusieurs trucs. Bois un Alors, bidon de l'eau de Javel. la lune, faut la manger parce que c'est un donut. Et il n'y a plus de lune après. Le 21 avenue de la commode. Oh, Mr. Raccoon. Minados Pizza. Putain, j'avoue, c'est stylé. Hein. Tu te fais commander une pizza sur la lune. Ouais. Entre les donuts, les pizzas sur la lune. Bon, visiblement, pour la scène d'intro, ils se sont pas foulés à te foutre ta tenue, hein. Bah, je crois que c'est fait exprès parce qu'ils ont dit qu'après je peux sélectionner ma tenue dans la penderie. D'accord. En fait, ça fait Alors, plutôt. premier choix, eau chaude ou eau froide? C'est pas normal ça, madame, faut aller consulter, c'est sûrement le corona. Ouais, on va incarner Jill Zombie. Ouais, il faut manger des zombies. Il faut. Tu Il faut manger sais, des à zombies. plusieurs moments, t'as des QTE pour te retenir de bouffer tes alliés. Appuyez sur A pour éviter de bouffer Carlos. C'est nul, elle a pas son Samurai Edge. J'ai mis en anglais du coup. D'accord. J'ai entendu, hein. Parce que sinon c'est du japonais qui a bien changé. Parce qu'en français, quand j'ai vu le doubleur déjà de Nikolai là. Ça me fait J'ai rire. fait ça. J'ai plus que 3 jours et je quitte la ville. Eh meuf, il y a déjà des zombies dans les rues depuis 5 jours. Tu commences pas à te poser des questions? Parce que là, on est le 28, dans Outbreak, le 24 et le 25, il y avait déjà des zombies. Mais bon, je vais rien dire. Capcom. Putain, fou. Tu sais, Capcom, ils sont contradictoires. Quand il s'agit de faire des références au Outbreak pour te montrer qu'ils sont canons, ils sont là. Mais par contre, pour ce qui est de la cohérence vis-à-vis des Outbreaks, là, il n'y a plus personne. Le rapport de Jill.
Sauf que le 26 septembre, il y avait déjà des zombies partout dans la rue. Se pose pas de questions. Bon, allez, déjà, comme elle en parle, bon, je te laisse un peu lire et après je le dis. Comme elle en parle, je vais déjà dire, elle parle des corbeaux, tu vois, infectés. Capcom avait dit qu'ils y seraient, ils y sont pas. Donc déjà, rip les corbeaux. Voilà, comme ça c'est. Comme ça, il n'y a pas d'espérance, ils sont juste mentionnés là, ils existent, mais bon, ils y sont pas. Bon, y a-t-il une... C'est con, parce que franchement, on a en super graphisme HD, la nuée de corbeaux qui te fonce dessus, ça aurait été classe. J'avoue. Ouais, ma penderie. Non, ils devaient faire grève ce jour-là, les corbeaux. Ah oui. Je veux ma penderie. Bon, je pense que je peux toujours pas. On va se rincer en espérant que... Oh, une pizza. Mais justement, une pizza. Dans un collègue. Non, j'arrive toujours pas à croire qu'Iron t'est suspendu. Iron, il est mort. Il est mort. Il ne peut plus te suspendre. Tu aurais dû me baiser pour avoir sauvé Christophe. Je t'ai... Non, tu veux ça, plus ça. Oh, Brad. Équipe Alpha jusqu'à la poule mouillée. Tu t'en rappelles toujours Shadow Leggy, tu sais, où il était en costume de poulet. Et là, t'as à nouveau la même scène cinématique où elle se transforme en zombie. Par contre, faire couler l'eau du robinet pendant que tu dors. Ah bah voilà. Et là, elle remet son décolleté, son truc. Tu crois que ça va être comme dans l'autre parodie, t'as Nemesis qui va débarquer, ça va finir en truc porno. Toc toc toc, je viens réparer la plomberie, stores. Il est juste spécialisé pour la plomberie des stores. 28 septembre, 20h07. Oh. Bon, ils ont changé ce petit détail aussi. Ils ont, pour le remake, ils ont mis du 28 au 29, la nuit du 28 au 29. Là où dans l'original, c'était de la nuit, normalement, du 27 au 28. Donc c'était plus, un peu, deux jours plus avant Resident Evil 2, qui se déroule la nuit du 29 au, 20, au 30. Voilà, oui. Ma référence de geek. Allez, décroche. C'est ici la plomberie. Je vais te déboucher les tuyaux. Pourquoi il est masqué ce con? Parce que, je sais pas, il allait à une convention, un cosplay, je sais pas. Alors, Mister X, il a changé, quoi. J'avoue, il a un sac poubelle. C'est où, celui-là? Je le trouve un peu pâteau, Nemesis, hein. Bah, par la fenêtre. Allez, sort, comment on fait? Clic gauche, cache chose, expliquez-moi. Bonjour monsieur. Même pas peur. Par contre, je te conseille de faire un régime. C'est vrai qu'il fait lourd d'eau dans celui-là. Hein. J'avoue. Là pour l'instant. Il fait un peu Mister X en fait. Ouais, c'est ça, parce que c'était Mister X dans le 2 qui était lourd d'eau. Là où Nemesis, il était super agile, tu vois, dans le 3 original, si tu te rappelles. Hein. Oui, 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 je m'en rappelle. Bah, le recyclage, hein. Capcom, ils aiment bien ça. Ouais. Ah là, tu vas être content, parce que je te dis déjà que je crois 3 quarts des skins de zombies sont recyclés du 2 remake. Ah bah. Ouais, donc. C'est par
Les mêmes graphiques, je me doute bien. Ah, oh, bonjour. Ah bah dis donc, t'es persévérant toi. Ah bah ça va, le feu ça brûle pas. Mais c'est parce que je passais au-dessus des flammes. Mais non mais... Non mais c'est normal, elles sont en image de synthèse, les flammes. Tu crains rien. Mais pourquoi il se fait chier à aller comme ça? Mais t'es con, Némésis. Pourquoi tu te fais chier comme ça? Ils l'ont retiré 30 points de QI, c'est pas possible. Bah voilà, là. C'est ridicule. C'est le mec qui pourrait essayer de la choper. Non, je vais prendre le gros morceau de béton, voilà, pour racler, comme ça je suis hyper lent. Réveil difficile. J'avoue que ça m'a fait plus rire que me fait peur là-dedans. Ah, tu as remis ta vieille tenue de service. Bah, on me. Hey Brad, question, est-ce que tu survis dans cet opus? Je ne crois pas. Putain, et Jill, qu'est-ce qu'il a branlé dans son appart pour pas s'en rendre compte? Parce que dans le 3 original, il est mentionné qu'elle était au courant, mais c'est juste qu'elle avait pas voulu bouger de son appart, tu vois. Que depuis plusieurs jours, ça partait en couille, tu vois, que les hordes de zombies et tout. Mais là, elle est pas au courant, elle a rien entendu les bruits. Et ben. Oh le gros zombie qu'il y avait dans la cafétéria. Ouais. Il va chercher un distrib. Original. Ouais. Ah, tu vas pas mourir comme une merde, comme des zombies quand même. Je veux que tu meurs sur Nemesis au moins. Je vais rien dire. Y'a un truc qui me dit que bon. Non. Attends-toi à être déçu de ce côté-là. Faudra me dire qu'est-ce qu'elle a branlé de son samouraï Edge. Bon, après Nemesis, je lui ai rendu visite, elle a pas eu le temps de le prendre. Bon, rip, au revoir, rip. Je ne vais pas gâcher de précieuses balles. Rip le samouraï Edge, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, ok, pas par là. Donc à la place, le Glock. C'est parti. Tire-lui dans les couilles. Oh, what the fuck, toi, faut aller où là? Ah, oui, par là. Tout simplement. J'allais dire que 5 balles, je vais pas faire long feu. Ouais, surtout que je te dis qu'ils sont résistants aussi, hein, les zombies dans celui-là. Mais j'ai pu voir dans la démo. Ouais. Au moins, mais le couteau ne me casse pas. Bonjour Dario, Rosso. C'était le mec de l'entrepôt, si tu te rappelais. Je me rappelle. Ah, de bouger sinon je te tire dans le fion. Bon bah au revoir. Bonne nuit. Défonce la porte au bazooka. J'appelle Nemesis si vous sortez pas. Est-ce qu'on le verra mourir ou pas? Parce que dans l'original, si tu revenais à l'entrepôt plus tard, tu découvrais qu'il avait essayé de sortir et qu'il s'était fait bouffer par des zombies, tu tombais sur un document de lui. Ah. Voilà.
Rip. Bon bah c'était Dario. Je suis sûr qu'on l'aura même pas, tu vois. Bah les couilles. Ouais, des munitions. Pas trop chargeons ça. Ah, salut toi. Eh, tu as des couilles. Il va essayer de t'enculer. Bref. Si je sortais avant que... Salut toi. Eh, tu vas me bouffer là. Salut ta boboule. J'allais dire, merde. C'est qui va pas intelligent. Macron, démission. Macron. Oui, bonjour, c'est pour une place de parking, s'il vous plaît. Oh. Et lui, c'est quoi son histoire? Parce que le mec, il est enfermé dans son truc, il s'est fait mordre avant ou... Parce que visiblement, personne n'a pété son truc, hein. Tout est nickel, c'est... Ah, il y a qui va calme. Bah, shit. Je veux l'ascenseur, vite. Par contre, mon père, le problème qu'il avait trouvé aussi, il a trouvé sur plusieurs points, en voyant la, tu sais, la démo, après, il faut voir dans le truc, certains objets un peu trop nickel dans les décors, tu sais, genre les bagnoles par rapport à l'original. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est peut-être impossible. C'est un peu trop polish, tu vois, alors que normalement ça devrait être sale, tu vois, les bagnoles et tout. Surtout vu les dégâts qu'est. Non. Je vais aller me cracher sans explication dans le commissariat. Comme dans le remake du 2, putain. J'avoue. Je suis sur une émission. Bon bah tant pis. Eh monsieur, je vous en prie. Pourquoi t'es saoulé? Il est mort. T'en bats les couilles. Bon bah merci Némésis. Hein. Némésis sac de poubelle. Ça me rappelle une scène de l'original où t'avais Némésis qui détruisait un hélico au beffroi, au lance-roquette. Bon mais c'était... C'était plus classe et différent, et surtout que ben là, y a rien qui a dit que c'est lui qui l'a fait, hein. Parce qu'il a pas de lance-roquette, il a rien sur lui là. Hein. C'est ça. Donc, comment l'hélico s'est fait péter? Bon, salut. Alors là, en réalité, tu serais mort, hein, vu le choc. Ouais. Ça fait beaucoup plus hollywoodien quand tu regardes. Hein. C'est ça. Par contre, pour moi, c'est un peu l'effet paradoxe de Tomb Raider Reboot, hein, perso. Vu la gueule qu'elle a. Tu veux dire quoi par là? Ben, en fait, je trouve qu'ils ont un peu la même gueule, en fait, contre dans les remakes. Ben, la même gueule. Je dirais pas qu'ils se ressemblent, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me... Bon, encore une fois, elles sont moches, en plus, les flammes de proche, hein, quand tu regardes. Bon, après, n'oublie pas, j'ai pas la qualité ultra sur le PC. Ouais. Par contre, le truc, la qualité ne change rien, tu sais ce que c'est? C'est que, putain, elle est dans les flammes et même pas brûlée, hein. C'est ça. Parce que... Bon, bah, bonjour, putain, Carlos, quoi. Il apparaît tout. Surtout, il défonce Nemesis au lance-roquette, c'est quoi ce truc, quoi? Techniquement, dans l'original, il serait mort au lance-roquette. Mais what? Bon, on va passer sur le fait que pour le moment, je ne reconnais aucun lieu, on va dire. My name is Carlos. All the foxy ladies love my accent. Alors, Wolf of the Battlefield. T'as de faire très peur, toi. Putain, c'est nanar. Ah, je dirais Terminator. Ouais.
N'empêche, la boule de bowling tueuse, ça serait rigolo, hein. Bon, Alien, bonjour. Le truc. Ah, t'as vu, il y a le distributeur que cherchait l'autre zombie. Être enchaîné, c'est cool. Ah oui. Ah bah d'ailleurs, il est déjà passé par là, t'as vu, il est cassé. C'est ça. Bon, Suisse Carlos. C'est parce qu'il a un gros lance-roquette. Je suis allergique au remake. Ouais. Et là, Carlos, il fait, ah bah moi, j'en ai un plus gros. En tout cas, rip le tramway du 3 original. Hein. C'est ça. À la place, ils ont mis le métro de Woodbreak. Sachant que dans Woodbreak, il disait clairement que le métro était quasiment à l'abandon et que c'était le tramway qui était principalement utilisé. Parce qu'en fait, le métro avait été construit quand Raccoon City était top tendance, on va dire, mais après, c'est retombé. Dino. Bit. T'avais marqué bit. Les bits de Deno. Zor. Voilà, c'est pour dire. Alors, Einstein versus. Putain, versus Sean Connery. Quitte pas. Oh, une chinoise. La Gripsou, il a changé. Bon, on se trouve limite à la démo, en fait. Directement. Ouais. C'est très rapide, l'enchaînement. Hein. J'avoue. J'avoue que Nicolas, tu le croises pas maintenant. Je le croise beaucoup plus tard. De souvenir. Bah oui. Tu prends un petit temps à t'habituer à la ville, dans l'original. Avant de C'est les ça. croiser. Bah moi je l'appelle Boulard, hein, personnellement, parce qu'il a un sacré boule. C'est quoi cette tête de pervers, Michael? Ah, oh, il est amoureux. Est-ce qu'ils mentionneront le fait que dans l'ori qu'il y avait d'autres pelotons comme dans l'original ou alors est-ce qu'ils ont réduit à un seul peloton? N'empêche, il fait quand même plus, hein, Carlos, sans sa coupe de naze et la barbe, hein, quand même un peu plus. Ressemble un peu plus à l'original, résultat, je trouve. Comme ça. C'est ça. Ouais, je ne crache pas que sur... Ouais, je ne fais pas que cracher, hein. Je reconnais. Mais bon, il faut quand même précommander un truc ou le payer ensuite, hein, pour avoir ça, hein. Bah, moi, en tout cas, je l'ai en le précommandant. C'était ce qui avait marqué. Après, tu l'as peut-être en DLC payé. Voilà, c'est ça. Mais bon, je l'ai payé 45 euros, ça va. Par contre, cette fois-ci, le désavantage par rapport aux deux remakes, c'est que t'as pas les musiques originales. Tu sais, en précommande et tout. Ah. Moi, je l'avais pas précommandé le 2, par contre. Ouais, mais t'avais les musiques originales si tu précommandais. Résultat, l'un des. Ouais, je te laisse lire et après, je te dis. Ça aurait aussi été le cas, c'est tout ça qu'on a turiste. Pourquoi pas. Bon, le truc classique, je pense, comme dans le 2. Ouais. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus les herbes bleues. Parce que, ben, ils ont pas mis les araignées, donc. Et voilà, donc.
Oh, la tête. Pas d'herbe à pouf. Rip les araignées. Mais non, c'est des araignées non venimeuses. Ah, punaise. Ouais, effectivement, je me tape parce que j'avais de la démo après, je pense. Ouais. Bah, ça va être chiant parce que. Bon, visiblement, ils ont complètement changé aussi l'ordre des événements de comment ça s'est passé, tu sais, l'épidémie. Par rapport à Woodbreak. Parce que là, quand t'as l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain, là. C'est ça. J'espère qu'il y aura des sacoches, par contre. Alors que dans la chronologie originale, ça s'est fait lentement sur plusieurs jours. Aussi. J'espère qu'il y aura une sacoche parce que le truc, moi, quand je faisais des sacoches, j'étais ultra plein. Et ça, c'était vraiment chiant. Quoi. Et donc, l'un des défauts que j'ai vu que les gens ont relevé, tu sais, par rapport aux deux, c'est que t'as pas l'option de remettre les musiques originales. Et donc, l'absence d'ambiance sonore, tu sais, de trucs comme ça, se fait beaucoup sentir dans le 3. Mmh. Allez, parce que t'es d'accord qu'au niveau musique, pour l'instant, va te faire foutre. Hein. Là où Resident Evil 3 original avait de super thèmes. Mmh. Oh, le petit truc classique de la famille. Alors je suis pas forcément contre le fait de pas trop utiliser de musique et tout. Mais après je trouve que c'est pas super bien fait. Parce que j'ai déjà joué à des jeux d'horreur où même s'il y avait pas trop de musique, t'avais une ambiance sonore, un truc qui faisait flipper. Par exemple les Project Zero, t'as pas tout le temps de la musique. Mais quand il y a pas de musique, tu entends des petits bruits, des trucs, tu sais, flippants, tu sais, le plancher qui craque, tu sais, des trucs qui te font flipper. Et je trouve que ça manquait de ça, en tout cas dans le 2 remake, dans le 3 remake, j'entends pas assez bien, mais voilà. Je sais pas. Alors cette énigme, elle te permettait d'accéder à la mairie, dans l'original. Ok. Non, parce que je pouvais pas l'examiner dans la démo, c'est pour ça. Voilà, c'est juste pour dire, hein. Okay. Donc cette énigme a changé d'emplacement. Je sais même pas si on passera par la mairie dans celui-là. Un petit coffre. Ça, je le dépose. Il y a moyen de déplacer. Ah, voilà, comme ça.